Au commencement. Nous vivons dans un monde magnifique. Nous vivons dans un monde magnifique. Regarde comme c'est beau. Mais revenons au tout début et découvrons dans la Bible comment tout a commencé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout était plongé dans l'obscurité. Dieu dit : Que la lumière brille ! Il appela la lumière jour et l'obscurité nuit. Et voilà pour le premier jour. Puis Dieu fit un espace pour séparer les eaux d'en haut et celles d'en bas. Il appela cet espace ciel. Et voilà pour le deuxième jour. Dieu rassembla les eaux en un seul endroit pour faire apparaître le sol. Il appela le sol terre et les eaux mer. Puis Dieu créa les plantes et les arbres avec leurs graines. Et voilà pour le troisième jour. Ensuite, Dieu créa des sources de lumière dans le ciel. Il fit le soleil pour le jour, la lune pour la nuit et toutes les étoiles. Et voilà pour le quatrième jour. Dieu créa les poissons qui nagent dans l'eau et les oiseaux qui volent dans le ciel. Et il leur dit : Ayez des bébés, remplissez le monde, chantez, éclaboussez. Et voilà pour le cinquième jour. Puis Dieu créa les animaux terrestres, le bétail, les animaux sauvages et les reptiles qui rampent sur le sol. Restait-il encore quelque chose à faire? Oui, la plus exceptionnelle de toutes les créations.
Alors, Dieu créa l'homme et la femme à son image. Il leur dit, « Ayez des enfants, soyez maîtres de la terre, dominez sur les poissons, les oiseaux et les autres animaux. » Et voilà pour le sixième jour. Dieu regarda tout ce qu'il avait créé. C'était très bien. Alors, le septième jour, Dieu se reposa et décida que ce serait désormais un jour spécial qui lui serait réservé. Et voilà pour le septième jour. Dieu était content de ce qu'il avait créé et il se reposa le septième jour. Ouais. Thank you so much for staying to the end of this wonderful Bible story.